Vous parlez de management de proximité. Alors ça, c'est une spécificité, effectivement, Sopra. Quand on rentre chez Sopra, Je vais essayer la question peut-être, Jean-Marc, jusqu'au bout. pouvez-vous nous dire de quoi il retourne et en quoi ce type de management vous différencie de vos principaux concurrents? Donc, vous êtes intégré sur un C'est vrai que ça projet. paraît sympathique quand même. Oui. Le management de proximité, on va dire que là, pour le coup, ça développe un capital sympathie énorme chez vous. On se dit c'est génial. Mais ça sonne un peu faux en fait. On imagine qu'aucune entreprise ne va dire qu'elle ne gère pas ses gens, qu'elle gère ses gens de loin, de façon grossière. Donc ça paraît évident en fait, non? Alors, le fait que nous embauchons et que nous recrutons beaucoup de jeunes ingénieurs nécessite quand même, pour accompagner leur évolution, un accompagnement. Cet accompagnement se fait de deux façons. Vous avez un manager opérationnel qui est votre patron au quotidien, avec qui vous travaillez, avec lequel vous développez les projets au sens large, hein, dans toutes les phases. Ça, c'est la mission, c'est le projet, c'est ce sur quoi vous êtes impliqué au quotidien. Mais de façon, je dirais, un peu distanciée, vous avez un manager de proximité qui s'occupe de la gestion de votre carrière et de votre évolution au sein du groupe, quelle que soit la mission sur laquelle vous êtes positionné. Et donc cette personne, qui est quelqu'un d'expérimenté, a vocation, et c'est sa mission, à vous faire grandir et à vous accompagner dans votre croissance et votre évolution. Clément, en fait, concrètement, vous, ça a quelle Tout à implication? fait. Honnêtement, on est d'accord, là, on joue franc jeu, enfin, c'est très Exactement. important d'avoir votre avis là-dessus. Concrètement, l'implication que ça a, c'est dès que j'ai eu. Alors, déjà, non seulement l'accompagnement de proximité, il se fait déjà dès le stage. C'est-à-dire qu'on a un tuteur de stage qui n'est pas là que pour avoir un nom sur la fiche de stage que l'étudiant donne à son école. Il est là vraiment pour accompagner et même déjà détecter des sensibilités qui vont pouvoir permettre d'orienter un petit peu le stagiaire dans le cadre de son stage vers des choses qui pourraient être ses affinités futures. Au-delà de ça, une fois passé en salarié, une fois embauché, on a d'entrée de jeu un manager de proximité qui est attribué. Et ce manager de proximité, il va être, et c'est un peu le principe recherché, détaché de l'activité quotidienne que va pouvoir avoir le collaborateur pour aussi avoir un point de vue qui va être dans l'objectif de faire progresser le collaborateur et non pas d'avoir des exigences sur le projet, des exigences de délai. L'objectif va vraiment être de suivre l'évolution de carrière. Et pour moi, ça s'est concrétisé par la mise en place. Et c'est vraiment un plus pour vous? C'est vraiment un plus parce que tout simplement, moi, je souhaitais prendre plutôt une voie sur du fonctionnel, c'est-à-dire recueillir le besoin client, le spécifier, plutôt que sur une voie technique, par exemple. Mon manager de proximité, dès que j'ai été embauché, est venu me voir et m'a dit, voilà, il y a une opportunité sur tel projet de pouvoir dispenser des formations. Les formations, c'est quelque chose qui est relativement fonctionnel, on entre directement dans le besoin du client. Donc j'ai dit, ok, banco, je suis d'accord, je me dirige vers ce projet-là. Et c'est lui qui m'a amené cette opportunité-là, dans le but vraiment de me faire évoluer dans la voie que j'avais souhaité prendre dès le début.